Bonsoir, ravi d'être avec toi pour cette nouvelle méditation du jeudi. Une méditation vraiment, encore une fois, importante parce que on va parler de gratitude. Et d'abord, je vais me présenter, ce que j'oublie souvent de faire, je dois admettre. Je suis Pierre Le Guerreres. Tant qu'on y est, merci si tu veux bien t'abonner à la page si c'est pas déjà fait et éventuellement à l'issue de ce live de partager. Voilà, ça aide petit à petit à se développer et le but c'est que de plus en plus de gens comme toi participent à cette vidéo entièrement gratuite qui est tous les jeudis à 20h30, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il fasse beau, hein, c'est pareil. On est là, voilà, en tout cas, et ça c'est vraiment génial. Et avant de commencer, pourquoi est-ce que c'est si important finalement, de se mettre en état de gratitude. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça sous-entend? Eh bien, tu sais que notre esprit, et on est fait comme ça, hein, donc c'est pas mal, c'est absolument pas une critique ou un jugement, mais notre esprit est fait pour détecter tout ce qui va pas, les dangers potentiels autour de nous. Et ça, c'est notre cerveau archaïque, hein, qui date de la préhistoire. C'est sûr que si tu entends un T-Rex arriver, mieux vaut ou très bien te cacher, ou courir très très vite. Voilà. Et la même chose si tu entends des bruits bizarres ou des choses ou que tu vois des choses, voilà. Donc en fait on est fait pour vraiment détecter ce qui va pas et ce qui nous joue beaucoup des tours parce qu'en fait on est toujours dans un esprit un peu critique en train de dire ah oui ça, oula, et puis il y a ça aussi, bon voilà, ce qui nous met tu vois dans une énergie vraiment un peu comme ça qui nous tire vers le bas en fait, voilà. Et comment se sentir plus léger, surtout on va vraiment, j'allais dire commencer l'été, alors on n'est pas à proprement parler dans l'été, mais enfin le temps qui fait nous laisse un peu commencer à vivre ça en tout cas. Et comment se sentir plus léger? Ben c'est tout simplement inverser le processus. Ça veut dire quoi inverser le processus? Eh ben c'est plutôt focaliser sur ce qui est joli, ce qui est beau, ce qui a de la valeur à tes yeux. Et d'ailleurs, à commencer par toi-même, ta propre valeur. Hein. Ça, on a souvent du mal à la voir aussi. On va voir ça dans la méditation tout à l'heure. Et en fait, eh ben ça va tout simplement te changer la vie parce que tu vas te mettre à voir le monde d'une autre manière. Et puis, il y a quelque chose que je dévoile pas parce que je laisse le processus de la méditation se dérouler, mais quelque chose aussi de très beau qu'on va découvrir vers la fin de la méditation tout à l'heure. Allez, on va commencer directement la méditation, et comme tu le vois ce soir, une fois encore, ce sont les bols tibétains qui ont eu ma préférence pour nous accompagner dans cette méditation, tout simplement parce que ils ont cette incroyable capacité d'élever notre fréquence vibratoire. Hein. Et ça va être très propice, justement, pour se connecter à la gratitude. Voilà. Allez, je te propose de commencer à laisser tes paupières se déposer l'une sur l'autre, paisiblement. Tu vois que le son des bols tibétains va arriver comme ça, petit à petit. Tu entends que je suis en train de prendre une respiration profonde. Je te propose de m'imiter. Je vais maintenant te proposer de déposer ton corps sur le fauteuil, sur le canapé, sur le divan où tu te trouves et vraiment laisser le corps trouver sa position de confort, de relâchement. Et puis on va commencer par s'ancrer un petit peu à la terre-mère. Voilà, et pour ça, on va juste, en fait, soit bien mettre les pieds à plat sur le sol. Si tu peux te mettre pieds nus, c'est encore mieux pour avoir vraiment sentir hein, le sol sous tes plantes de pieds. Et puis, si tu es allongé, prends conscience des points de contact de ton corps sur les coussins. Sur le matelas,
Elle commence à ressentir cet échange avec la terre-mère. Dépose, rend à la terre tout ce qui est pesant. Tes soucis, tes tracas, tes frustrations. Et puis accueille l'énergie de la terre, qui est une énergie qui t'invite à donner corps à des projets, à ta vie, tes enfants éventuellement. Voilà, déjà on a commencé à poser notre énergie, à se réaligner un petit peu. Et puis je vais t'inviter à faire comme si tu repliais ton énergie sur elle-même, comme ça, de manière à vraiment revenir à l'intérieur de toi-même. Et bien sûr, aide-toi hein, de ta respiration. J'adore cette formule qui dit une inspiration d'amour et un souffle de vie. Voilà. Excellent. Et dès maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est juste à respirer sans faire un seul bruit. Si quelqu'un s'approchait de toi, il ne doit pas entendre. Il doit rien entendre du tout. Pour ça, le secret, c'est d'aspirer l'air par le nez, extrêmement lentement, et de souffler l'air lentement, sans s'asphyxier pour autant. Mais le simple fait de retenir un petit peu ton inspiration, la faire plus lente, et de retenir un petit peu l'expire, en l'allongeant un petit peu, ça va te mettre dans un état très particulier. Et à cet instant, tu vas juste imaginer que ton corps se fond et se mêle complètement à l'air autour de toi, à la pièce autour de toi, qu'il n'est plus distinct, mais complètement fondu. Et en maintenant cette respiration silencieuse, ça facilite énormément ce processus. Commence à sentir, peut-être en visualisant, tout en gardant les yeux fermés, que il n'y a plus de frontière entre ton corps, ta peau et le monde extérieur. Tu es le monde extérieur et le monde extérieur est toi. On va faire comme quand on était gosse et qu'on se cachait en retenant un peu notre respiration, en respirant tout doucement, pour pas que ceux qui nous cherchent nous entendent. Hein. Et dans cette harmonisation, hein, on est en train en fait de s'harmoniser avec notre environnement. Et très vite, tu vas imaginer que tu peux répandre ton énergie
sans rien en perdre, sans te changer. Peut-être s'il y a des arbres alentour, un ruisseau de la nature, une simple pelouse, des plantes, si tu es dans un appartement, s'il y a des plantes, tu peux faire ça avec les plantes et complètement imaginer que tu deviens la plante. Tu es comme la plante est comme toi. Si tu es un chien, un chat, la même chose. Deviens ce chien, ce chat. Et tu vas encore étendre ton énergie. Et là, on est dans l'horizontalité, tu vois bien. Et on est en train d'étaler notre énergie, de recevoir l'énergie de l'environnement autour. Alors on va essentiellement s'identifier à l'environnement naturel, les arbres, la terre, les plantes, l'herbe, les fleurs. Ouais, très bien. Voilà, je fais juste un peu de bruit pour te signaler qu'on continue à respirer, mais toi, surtout, continue à respirer bien lentement, bien en silence. Et ressentir à quel point, quand tu t'identifies comme ça à l'environnement, il y a une espèce de paix qui arrive. Et cette paix, elle t'est transmise justement par les éléments naturels, encore une fois les arbres, les plantes, les animaux, la montagne, la rivière, s'il y en a une. Parce qu'il y a une très grande différence entre nous et cet univers de nature, c'est que la nature ne se pose pas la question de demain. Elle ne traîne pas des choses du passé, elle est vraiment ici et maintenant. Et en étant comme ça, vraiment, complètement au contact de ton environnement, ta maison, ton appartement, de tes animaux si tu en as, commence à recenser tous les petits événements qui ont été jolis dans ta journée, aujourd'hui, juste aujourd'hui. Le sourire de quelqu'un, la beauté d'une petite fleur. L'attitude de ton chat, de ton chien, de ta chatte, de ta chienne. Et puis pense à quelqu'un que tu aimes vraiment énormément. Tu aimes de tout ton cœur. Ça peut être tes enfants. Ça peut être ta femme, ton mari. Des amis. Une amie, un ami. Et mesure juste à quel point c'est important, c'est riche de l'avoir dans ta vie plutôt que de ne pas l'avoir. Et finalement, réalise la chance que tu as d'avoir cette personne dans ta vie.
à quel point elle est précieuse, à quel point ça vibre dans ton cœur quand tu penses à cette personne. Et tu vois, l'état que tu commences à ressentir en te connectant à cette idée que, en fait, c'est extraordinaire de l'avoir. De même que ce serait terrible de ne pas ou de ne plus l'avoir. Et le fait de l'avoir et d'en prendre conscience, ce que tu ressens qui te fait chaud au cœur, qui te... Voilà, c'est ça la gratitude. C'est pas se plier en quatre et dire merci en se courbant, en baissant la tête. C'est ressentir la valeur de ce que tu as. Et à commencer par les personnes, évidemment. Ça peut être tes animaux de compagnie, un chat, un chien, des chats, des chiens. Hein? Et les avoir, parfois, est extraordinairement précieux, bien sûr. Et je suis sûr qu'il n'y a pas qu'une seule personne. Il peut y avoir des personnes, plusieurs personnes, pense à elles. Et met en perspective la possibilité de ne plus ou de ne pas les avoir. Et la chance que c'est de les avoir. De pouvoir aller les serrer dans tes bras s'ils habitent avec toi. Ou de les appeler au téléphone tout à l'heure ou demain. Hein? Et, ou de les rencontrer, c'est encore beaucoup mieux que le téléphone. Hein? Regarde, réalise à quel point c'est précieux. Il y a la vie que tu t'es créée. Bon, il y a tout un tas de problèmes qu'on va laisser de côté, comme on a dit tout à l'heure. Et là, on va regarder ce qui s'est bien passé, que tu as créé. Tu as fait des choix, tu as pris des décisions, et tu as créé les circonstances de ta vie actuelle. Et il y a peut-être des objets que tu aimes, des lieux que tu aimes, à commencer par ta maison, ton appartement, ton lieu de vie, même s'il ne t'appartient pas. Une notion bien relative à la propriété. Et ce sentiment de se sentir riche, chanceux. Riche, c'est pas forcément avoir des millions sur son compte en banque. C'est avoir des choses qui ont de la valeur. C'est avoir des personnes autour de toi qui ont de la valeur. C'est avoir un simple petit objet comme ça qui vaut quelques centaines d'euros, mais voilà, qui te touche, qui te, voilà, ça peut être un instrument de musique, ça peut être un meuble, ça peut être un tableau, ça peut être une pierre, tu vois. Moi, j'ai cette labradorite depuis très longtemps. Et cette pierre ne me quitte, pour ainsi dire, jamais. J'ai ce cristal de quartz qui sont un peu mes amis, comme ça. Alors, ça, ce sont des objets. Et bien sûr, il y a les personnes, hein, de ma famille, hein. Mes enfants, à commencer par ma chérie, etc. Et les avoir, c'est toute ma richesse. Tu pourrais me donner tous les milliards que tu veux. Non. Ah. Donc attention, hein, c'est pas la richesse qui va apporter. Ça simplifie beaucoup les choses matériellement, mais ça n'amène pas le bonheur. Au contraire, c'est compliqué. Et petit à petit, mets-toi vraiment dans cette énergie comme ça. Et réalise que tout à l'heure, on a parlé d'horizontalité, on a étalé notre énergie, hein, au loin comme ça. Et maintenant, on va commencer à faire comme une sphère. Et en particulier, laisser monter notre énergie et la laisser descendre. Comme si, hein, la sphère de notre énergie s'élargissait. Et qu'on est le monde, et que le monde est nous. Et que notre énergie va jusqu'aux étoiles. Jusqu'aux étoiles, absolument.
finalement, la véritable gratitude, c'est la capacité de se mettre en harmonie avec les choses jolies, précieuses, grandes, belles, et comprendre qu'on fait partie de ce monde, sans restriction. Essaye de ressentir du mieux que tu peux cette incroyable chance d'être en vie, d'être là, de pouvoir sentir la chaleur du soleil sur ta peau, de pouvoir serrer dans tes bras les gens que tu aimes, les personnes que tu aimes, de pouvoir goûter des choses délicieuses, toucher des choses très belles. Écouter des choses extraordinaires. Voir des paysages, des visages merveilleux. Et cet état de richesse intérieure, ce sentiment de particulier qui se dégage, c'est ça la gratitude. Encore une fois, la gratitude, hein, c'est pas le remerciement servile, hein. C'est, au contraire, c'est une élévation, la gratitude. Son énergie est plus rapide, plus puissante que celle de l'amour encore. Et quelque part, essaye de sentir en toi la conscience que la gratitude, c'est la conscience de l'amour, de la valeur de l'amour. C'est peut-être comprendre, mais pas intellectuellement, comprendre au plus profond de ton cœur, au plus profond de tes tripes même, ce qu'est vraiment l'amour, la chance, la valeur que ça représente. Et tu vois, être, se trouver et se diriger vers cet état de gratitude, cet état de richesse intérieure, cette préciosité de la vie, la conscience de la préciosité de la vie, la vie qu'on s'est créée, encore une fois, des personnes, des animaux, etc., des paysages, etc., des lieux qu'on a dans notre vie. Ça nous élève, ça nous protège et ça nous guérit. La beauté élève à condition de la voir, à condition de la considérer et se mettre en état de gratitude. C'est se mettre à voir la beauté, c'est se mettre à voir la valeur chez une personne, la beauté de son regard, de l'aimer, pas comme un fiancé ou une fiancée, mais de l'aimer parce que cette personne est belle, elle rayonne quelque chose de joli, de précieux, elle embellit le monde. Hein. Et si tu arrives à prendre conscience que tu es une personne qui embellit le monde, alors tu fais un pas vers la guérison globale, considérable. Et si tu te conduis comme tel, tous les jours, tu grandis, tu t'enrichis et tu fais un bien énorme autour de toi. Thank you.